Alors que la quatrième saison de Stranger Things a fait sensation partout dans le monde, la cinquième est déjà très attendue. L'interprète de Vecna, Jamie Campbell-Bower, est revenu sur le jour où Millie Bobby Brown a éclaté en sanglots sur le tournage de la série, très attendue depuis le début de longs mois. La saison 4 de Stranger Things a fait l'unanimité auprès des spectateurs de Netflix. Pour cette saison, les frères Duffer ont vu les choses en grand. Avec un budget d'environ 30 millions de dollars par épisode, on vous laisse faire le calcul, ces 9 nouveaux épisodes sortis en 2 volumes différents ont dépassé l'attente des fans. Avec des scènes encore plus sombres que lors des saisons précédentes, il fallait s'accrocher pour ne pas sursauter, notamment avec le dernier épisode d'une durée de presque 2h30, mais un personnage en particulier cette saison a été applaudi, en raison de son jeu d'acteur. Mais aussi de son costume exceptionnel, Vecna, le méchant de la saison 4, incarné par Jamie Campbell-Bower. Contrairement à ce que vous pensez, il ne s'agit pas d'un effet ajouté en post-production, mais bel et bien d'un vrai costume. Chaque matin de tournage, l'acteur avait pour obligation de se lever au beau milieu de la nuit, et patienter pendant environ 7h30 le temps que les maquilleurs plasticiens lui préparent son costume. Et on comprend que ce personnage a pu effrayer certaines personnes sur le tournage de Stranger Things. Attention, spoiler, Millie Bobby Brown en sanglots sur le tournage de Stranger Things. Jamie Campbell-Bower a dû supporter beaucoup de morceaux de latex et de caoutchouc collés à son corps pour incarner le tant redouté Vecna. Et ce costume de qualité a bien évidemment effrayé la star de la série, Millie Bobby Brown. En effet, si la jeune femme semble forte face au personnage dans les épisodes. Ce n'était pas le cas sur le tournage lorsqu'elle l'a vue pour la première fois, je me suis approché d'elle en tant que Vecna et elle a éclaté en sanglots. Elle ne voulait pas me regarder et elle était visiblement dégoûtée par mon apparence. Lorsqu'elle s'est mise à pleurer, je lui ai fait comprendre que c'était moi, et elle m'a répondu, « J'ai su que c'était toi quand j'ai pu sentir la cigarette parce que je suis un fumeur », a raconté Jamie Campbell-Bower à nos confrères de Variety, comme l'indique Télé Loisirs. En tout cas, on a hâte de retrouver Vecna dans la saison 5. Mais l'attente risque d'être très longue.